Sekouba Konaté, l'homme qui murmure dans les oreilles du colonel Doumbouya. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Plus une semaine ne passe sans que l'ancien président de la transition de 2010, le général Sekouba Konaté, ne discute avec le président actuel de la transition, le colonel Doumbouya. Selon des sources proches du palais présidentiel, les échanges portent généralement sur les conseils avisés de Konaté sur la gestion de l'armée et sur la gestion de la classe politique. Le général Konaté conseille pour l'essentiel le colonel Doumbouya de ne pas se précipiter et de se méfier des hommes politiques, surtout ceux de la vieille classe politique. Ils te promettent mont et merveille pour que tu leur cèdes le pouvoir, mais une fois au pouvoir, ils ne respectent pas leurs engagements. Ce sont des faux types. Fermez les guillemets, telle est la quintessence des conseils donnés par Konaté, selon nos informateurs. En échange de ces conseils utiles, le général Konaté bénéficierait de ses émoluments d'ancien chef d'État, nous informe-t-on. L'ancien président Dadi Camara n'aurait pas le même privilège, car il est poursuivi et détenu pour crime de masse au stade du 28 septembre. Pourtant, Dadi serait également à court d'argent, selon nos informations. Le mois dernier, ses amis étaient obligés de tenir une réunion secrète à l'Ambadji pour faire la quête, afin de faire face aux honoraires de ses avocats, qu'il n'arrive plus à payer.